Coucou tout le monde. Bon, la Maëlle vient de se faire gronder parce qu'il a mis le ballon sur le toit, ce toit-là. Et on le voit pas, mais en fait, on n'arrive plus du tout à le récupérer. Donc Maëlle, il est vraiment un champion du foot. Et en fait, je l'ai vraiment grondé. Surtout que vous allez voir, là où il l'a visé, il y avait un balcon, c'était même pas notre maison. Regardez, au départ il voulait filmer, il voulait lancer, excusez-moi, sur ce toit là, sauf que c'est même pas à nous. Et en plus il y a un balcon, on aurait des ennuis avec les voisins après. Non mais oh, fais attention quand même, hein. Oh, le sable. Oh Maëlle quand même. Regardez vraiment, on la voit pas mais... Oh vraiment, il a lancé vraiment très haut. Tu pourrais avoir une balle de basket? Oui, mais tu la lâches pas. Sur les toits. Hier, il a mis un ballon dans la haie. Dans cette haie. Je suis vraiment pas content. Là, il fait que des bêtises. Je sais même pas si on le voit, mais le ballon, il est tombé dans le trou là-bas. Vous inquiétez pas, ça c'est à nous, hein. Voilà, vous voyez, c'est le garage. J'espère qu'il nous reste des ballons. Là, là. Bon, bah. Regardez, ah non, ça c'est les sous pour la plage. C'est les sous qu'on va prendre, partir à la mer. Oh là là, il abuse. Oh. Regardez, il y a encore des ballons là. Et encore ? Maëlle, non mais oh ! C'est pas à nous ! Si jamais il y avait quelqu'un dans le hangar, on ferait gronder. Et peut-être une amende. Désolé. Oh ! Désolé, c'était quelqu'un qui venait nous voir, donc on a coupé la vidéo. Coucou de... Ah bah, papa, chérie, t'es arrivée? Ah, je savais pas. Non mais Maëlle, oh, papa, il est pas content. Depuis tout à l'heure, il fait des lancers. Il a lancé le ballon sur le toit. Sur le toit du hangar. Non. Bah si. C'est quoi ça, Maëlle? C'est quoi ces bêtises? Alors comme ça, t'écoutes pas? Tu vas aller au coin, attention, hein. Recommence plus, hein. Et attention. Maëlle, il faut aller boire un coup parce que j'ai travaillé et que tu continues. La balle, elle est confisquée et tu vas au coin. Non mais... Non mais chérie, Fanny il va pas fort non plus. Bah mais... si, il a pas... Non mais t'inquiète, c'est vrai Maëlle, quand même, ça se fait pas, hein. Pas le droit. Bon, toi, tu vas en course? Oui, à tout à l'heure. Et n'oublie pas de racheter des croquettes pour le chat, hein. Je vais prendre un ballon en cachette, ça se fout pas. Je vais le reprendre. Et ouais, je peux enfin m'amuser. Oh oh, ballon. Ouais, je m'amuse trop. Bah, où elle est passée? Mais papa me gronde pas, hein. Je viens de rentrer des courses. Suis-moi, dépêche-toi, suis-moi. Ces balles. Oui, mais oui. Et ben c'est confisqué. Maintenant, je suis là au coin. J'avais tellement le bout de papa, je pourrais plus jamais. Maëlle, arrête de pleurer. Assumer ses conséquences. Non mais. On aurait pu avoir des ennuis avec les voisins. On aurait pu avoir des ennuis. Non mais tu t'imagines? Peut-être la police. On serait convoqués, nous. On aurait vraiment honte. Oui, entrez. Voilà. J'ai entendu des coups de ballon et ma caverne... ma base, elle est... elle est détruite. Elle est... Il y a un morceau qui est cassé. Quoi? Oh. Alors, soit vous payez... Ou soit j'appelle la gendarmerie. Oh, bah je vais vous repayer. Elle coûte combien votre marche? 582 euros. Parce que quand même c'est cassé. Ma ferme elle est cassée. Quoi? Bah oui. Bon, au revoir. Maëlle, je dois repayer 25 euros une marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voisin il est venu se blâmer. On doit repayer 545 euros la marche. Non. C'est quoi de ces bêtises, Maëlle? Dans quoi? Mais il est au coin. Voilà! On va prendre ton argent de poche! Voilà! Je vais repayer 20! 40! Enfin, j'ai même plus! Je vais repayer 5!
attention. Je suis énervé. Entrez. Oh. J'espère que c'est pas une nouvelle plainte du voisin à Maël. Oh. Madame Aurélien municipale, bonjour. Bonjour. Alors, il y a le voisin qui m'a appelé parce que sa ferme a été cassée. Vous pouvez m'expliquer cette situation, comment ça s'est passé, s'il vous plaît? C'est moi à cause de mon fils, là. Il a 11 mois. Oh, d'accord. Et comment ça se fait qu'il joue avec un ballon à 11 mois sur une ferme? On le laissait parce que on croyait qu'il faisait pas ça. D'accord. J'avais dit d'arrêter, qu'on pouvait avoir des ennuis. Il a pas voulu m'écouter. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit d'arrêter parce que ça pouvait être cassé. Et le résultat, tu vois, là, il y a la gendarmerie qui est là. Bonjour. Je te préviens, c'est une grande, le monsieur. Tu viendras pas pleurer. Moi, je te laisse. Vous voulez lui parler? Je veux bien. Alors, petit, tu t'appelles comment? Maël. Oui, ça sert à rien. Voici mes conséquences, déjà. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que je les jouais comme mes copains et ils ont 2 ans. Ah bah 2 ans, c'est pas pareil. Mais madame, s'il vous plaît, je vais parler. Pas sur une ferme, vous avez un jardin. Et 2 ans et 11 mois, c'est pas très pareil. Votre maman et au clair dessus a raison. Alors, soit vous repayez, madame, ou soit vous êtes en état d'arrestation. Parce que quand même, vous avez cassé quand même. Il a cassé quand même. Toutes les planches de la ferme. Mais il y a des vaches là-dedans. En plus des vaches, des moutons. Oh non mais oh! T'as une fessée carrément! Chut. Non mais oh! Je suis rentrée! Bonjour monsieur! Attendez, on vous retrouve après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, premièrement, votre fils a cassé toutes les planches. Sans vous payer, vous en êtes en état de l'arrestation, pardon. On va payer. Ah non, mais monsieur, il a 11 mois et c'est bon, il a cassé des planches. Je peux les repérer, les planches, et je vais les réparer. Ah non, non, c'est déjà fait. Vous parlez dans un autre ton. Soit vous allez en garde à vue, ou soit vous payez les planches. Là, le monsieur l'a dit, vous allez payer 1599 €, tout presque. Hein? Ou non. Soit vous allez en garde à vue. Non, mais en plus. Ah non, mais. C'est bon, monsieur, on va payer, y a pas de problème. Et puis. Y a une vache quand même qui est blessée. Ah bah, monsieur, vraiment, on va tout repayer, y a pas de problème. Au revoir! Au revoir. Elle. Oui? Alors, c'est quand ce cirque? Raconte-moi tout, je suis là. Arrête, Maël. Et parle-moi. Bah, y'a la retourne-toi. Ça sert à rien de pleurer, Maël, petit méchant. Alors tu vois toutes ces fermes. Je vais prendre ton argent de poche. Et maintenant, tu retournes voir. Fin de la vidéo. Voilà, alors on espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye. Et il a 30 euros. Hein.